se retrouve à, à l'été 1994. Steve Bourget a défendu avec brio sa thèse de doctorat. L'examinateur externe, Santiago Seda, est très euh, emballé par euh, l'idée d'avoir des archéologues canadiens qui se joignent à son équipe euh, pour faire des fouilles euh, à l'été 1994, euh, sur un site euh, quand même très important pour euh, la côte nord du Pérou. Euh, le site s'appelle euh, Wakas de Moche, ou les Pyramides de, de Moche, comme disent les, les, euh, les anglophones. Mais le site est aussi connu par euh, le nom qu'on donne aux deux grands édifices euh, publics là, qui caractérisent euh, euh, ce site cérémoniel, donc la pyramide du soleil et la pyramide de, de la lune. Mais comme ce ne sont pas des, des pyramides, donc ce sont des structures en boue séchée. Euh, que eux appellent wakas. Donc, euh, une waka, c'est un terme quechua, donc la langue des Incas, qui veut simplement dire sacré. Donc, deux lieux sacrés euh, qui ont été utilisés par euh, les élites pour euh, diriger une société euh, très euh, hiérarchique. Alors, comment moi je m'inscris euh, là-dedans? Donc, c'est l'ancien jeune étudiant qui veut devenir spécialiste des Mayas. Et là je me retrouve en Amérique du Sud, au Pérou. J'avais jamais pensé de ma vie aller au Pérou. Si on m'avait posé la question à quel endroit tu vas aller en Amérique du Sud, tout de suite j'aurais dit le Brésil. Pas pour le festival de Rio, mais la joie de vivre brésilienne, la, 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 la chanson, la samba, je Pas jamais dansé à, à l'époque, mais je me retrouve au Pérou. Alors, je me trouve au Pérou avec Steve Bourget. Je l'aide dans sa fouille et euh, Steve a un projet assez euh, particulier. Euh, il veut démontrer par une fouille archéologique qu'un lieu de sacrifice associé aux montagnes, dans l'iconographie Moche, existait réellement. Alors, donc, il se retrouve à monter le, le site Wakas de Moche, est au pied d'une colline qui, euh, qui fait quelques centaines de mètres de haut dans la plaine. On est à 6 km de l'océan Pacifique, en plein désert. Et euh, donc lui, il montait, il était en forme, il montait presque à tous les matins jusqu'au sommet, puis il redescendait, puis il cherchait un endroit où on aurait pu, il y a 1500 ans, euh, prendre des individus, les ligoter, leur trancher à la gorge peut-être, mais de les jeter et donc de les tuer, donc un, un sacrifice humain euh, où on les jette euh, en bas d'un sommet. Alors il trouve quelques endroits euh, propices, et puis, euh, mais il n'est pas capable de trouver des, euh, des indices euh, clairs et nets. Mais euh, à mi-chemin, il trouve une sorte de terrasse, puis il commence à, à fouiller, et puis il trouve des trucs intéressants. C'est là que j'ai fait mes premiers, premières armes. Euh, sur, euh, sur un site euh, péruvien. Donc c'est un site antérieur au Moche, un site de la culture euh, salinaire. Donc tout de suite, euh, je me suis impliqué, on a ramassé du charbon de bois, j'ai trouvé des sous pour avoir une première date euh, au Carbone 14. Donc c'était un, un été euh, concluant et euh, donc j'ai pris des arrangements avec euh, le directeur Santiago Oceda. Et puis euh, l'année suivante, en 1995, toujours avec le, le concours de Steve Bourget, donc on organise des stages pour euh, étudiants québécois euh, euh, au Pérou, des stages d'un mois. Et euh, donc en 1995, on réussit à attirer presque une trentaine d'étudiants répartis sur trois mois. Donc un groupe en mai, un groupe en juin, puis un groupe en, en juillet. Et on commence des fouilles. Alors, Steve fouille en arrière de la Waka de la Luna, donc la, 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 la pyramide de, de la Lune. Puis moi, je ne veux rien savoir de ça. Moi, je m'intéresse au quotidien. Donc, mon idée était fixe. Ce que j'avais rêvé pour les Mayas, je vais l'appliquer au Moche. Donc, je veux travailler dans la plaine entre les deux euh, euh, édifices publics. Il y a à peu près 600 mètres qui séparent les deux. Et c'est euh, considéré comme totalement pillé. Euh, c'est écrit noir sur blanc dans les guides. Ça ne vaut pas la peine d'aller visiter ce site-là. Il est pillé. Il n'y a pas de mise en valeur à l'époque. Mais c'est un des projets de Santiago Seda, le directeur péruvien, de développer le site sur le plan touristique et bien sûr faire des fouilles euh, archéologiques là, de, de plus haut niveau euh, possible. Alors moi, j'arrive et puis euh, moi, ça m'intéresse euh, et je dis, moi, je veux travailler dans la plaine. Euh, je veux... Euh, euh, nettoyer, enlever du sable, puis je veux euh, mettre euh, au jour, donc je veux exposer une maison euh, d'une famille ou d'un groupe euh, moché. Ah, il dit très intéressant, très intéressant. Euh, fait que là, je commence à, à nettoyer. Là, j'ai l'aide des étudiants de l'Université de Montréal. Là, je fais semblant que je sais ce que je fais. Euh, C'est ma première expérience euh, au Pérou. Et euh, la prudence m'a bien servi. Et euh, donc, j'avais quelques ouvriers péruviens. On m'avait donné un assistant péruvien qui était très vaillant, très intéressé, très curieux aussi de savoir ce que je savais. Puis parce que eux, vu que tu es un étranger, ils pensent que tu es un spécialiste de tout, que tu connais tout et que tu vas leur en montrer euh, à tous les jours. T'sais. Alors, moi, je, chaque jour, je prenais la même décision. Euh, on nettoie, on nettoie. Euh, on trouve des coins, on expose une, une pièce, euh, on trouve euh, l'endroit où euh, il y avait un, un espace pour passer dans l'autre pièce. Fait que, disons, on va nettoyer l'autre pièce. On fouille comme ça tout l'été. Et tout l'été, mes collègues péruviens, je ne sais pas s'ils riaient de moi, mais ils me comprenaient de, de moins en moins. Euh, parce que si j'avais été un archéologue... Euh, euh, qualifié avec euh, tout un, un bagage de connaissances sur les mochés. Les mochés sont, sont célèbres par leur poterie. Ils utilisent aussi l'art euh, un peu. Et que quand tu exposes un plancher d'argile euh, intact, la première chose qu'un archéologue fait, c'est il le casse pour aller voir s'il y a une tombe en dessous. Mais moi, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu ce qu'il y a sur le plancher, comment les pièces se communiquent les unes euh, par rapport aux autres. Et puis, je veux comprendre le tissu urbain. Donc, le beau terme que, que j'utilise, c'est le tissu urbain. Et le, mon projet s'appelle la zone urbaine Moche. Donc, le projet Zoom, c'est intéressant parce qu'il est, est utile aussi en espagnol, zona urbana moché. Donc, moi, je suis le directeur du projet Zoom. Jamais fouillé de ma vie. Et je passe deux mois à, à fouiller sans casser aucun euh, plancher à comprendre l'architecture, à comprendre l'agencement de, 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 de pièces. Et on trouve deux, trois tombes euh, euh, où les gens, c'est des gens de bas statut qui ont été euh, inhumés à, quand le site a été abandonné directement sur le plancher. Euh, donc euh, des, 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 des sépultures qui, qui n'entraînaient pas de, de, de conséquences, si on veut. Parce qu'il faut dire que là-bas, il y a encore du pillage et que lorsque tu trouves une tombe, il faut que tu la protèges. Une tombe avec beaucoup d'objets, où, où tout de suite les gens, l'information le, le, circule, les archéologues ont trouvé une tombe très, très riche. Ils savent pas si elle est riche, mais elle est automatiquement riche et ils vont venir faire un tour à 6 heures du matin. Toi, tu arrives à 7h30 sur le site. qu'on a déjà croisé des pillards euh, euh, à l'occasion. Alors, la première année se, se termine. Euh, moi, je suis euphorique. Euh, J'avais l'impression de rentrer dans les maisons des de, de, de Mochés. Euh, on a trouvé beaucoup de, de fragments, quelques tombes. Euh, alors, moi, je, je suis super content. Alors, euh, les archéologues péruviens ont l'air contents aussi. Donc, euh, je leur dis Je peux revenir l'année prochaine euh, Qu'ils me disent oui. Et c'est là que je mets ma réputation euh, en jeu. Parce que là, je veux en faire euh, véritablement un projet. J'ai vraiment mordu. Alors là, je fais application pour une bourse, euh, euh, une subvention, en fait, là, au CRSH, là, au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Et puis, moi, j'avais déjà reçu trois subventions pour faire des recherches sur les Iroquois. Alors là, je suis un peu nerveux. Alors, je dis à mes amis péruviens l'année prochaine, je reviens avec plus de sous, vous allez avoir. Euh, je vais pouvoir engager plus de, de Péruviens. Ils sont tous euh, très satisfaits d'entendre ça. Mais là, moi, je n'ai pas ma réponse encore. Alors, euh, et la réponse arrive toujours au mois d'avril. Moi, je partais pour le Pérou au mois de mai. Et j'ai reçu une réponse euh, positive. Euh, mais je me suis senti euh, chanceux un peu parce que un des archéologues, j'ai jamais pu deviner lequel des évaluateurs, mais j'avais eu trois évaluations. Une évaluation qui était ultra positive, une autre évaluation qui était assez positive et une évaluation qui était très négative. Et en fait, c'est une personne qui ne voulait pas que j'aille travailler au Pérou. Elle voulait que je continue à travailler au Québec. Puis elle disait que j'allais détruire euh, les sites péruviens puis que je vais nuire à l'image de l'archéologie euh, canadienne. Alors le comité du CRSH m'a écrit une lettre, d'une part en m'accordant à la subvention, et en me disant de ne pas tenir compte de l'évaluateur numéro 2 ou 3. Parce que j'avais bien ri, je me suis dit, il y a quand même des gens qui ont cette mentalité de ne pas aider les archéologues à aller fouiller à l'extérieur du pays. Donc en 90, euh, ça c'est en 96. Donc en 96, là c'est ma troisième présence sur le site, mais ma deuxième année en tant que directeur d'un projet. Et là, durant l'hiver, euh, j'avais fait un rapport pour euh, mes collègues péruviens, c'est obligatoire. Et euh, donc, je commençais à, à mieux saisir ce que j'avais fait euh, en 95. Et là, en 96, j'avais réalisé qu'on avait commencé à dégager un mur desquels il y avait tout plein de cloisons sur un côté, mais euh, mes collègues m'avaient dit de pas fouiller l'autre côté du mur parce qu'il aurait fallu l'étançonner, parce que comme même si ce n'était pas très profond, un mètre à peu près de, de dépôt, euh, que je pouvais nuire euh, à ce mur-là. Mais le mur faisait plus de 20 mètres de long. Donc là, je commençais à avoir un scénario en tête. Fait que là, dès qu'on commence l'année 96, là, je mets tous mes efforts euh, d'ouvrier. À dégager le mur, de le dégager rapidement, et que s'il si, avait l'air assez bien construit, que si tu dégageais et tu enlevais rapidement la pression du sable, que le mur resterait stable, ou en tout cas, on était prêt à, à l'aider à rester plus ou moins droit. Alors, on, euh, on de cette fouille-là sur à peu près une vingtaine de mètres, euh, et à chaque jour, les, les ouvriers, ils, ils me regardent, ils ont l'air déçus, je le sais qu'ils ne me comprennent pas. Et ils me disent, euh, excusez-nous, on n'a rien trouvé. Puis moi, je fais un grand sourire. Ah, c'est très bien, c'est très bien, euh, c'est correct. On, on continue demain. Tu sais. Alors moi, je disais rien parce que je voulais pas, parce que là, j'avais déjà mon hypothèse. Alors donc, on a fait à peu près les, les 20 mètres. Et puis là, j'apprends que j'avais un nouveau surnom. Tu sais. Donc j'étais le fou. Donc euh, le, il m'appelait le loco canadien. Tu sais. Donc le fou canadien, parce que Déjà, l'année précédente, j'avais refusé de casser des, des planchers pour voir s'il y avait des fouilles en dessous, euh, des, des tombes en dessous. Là, l'année suivante, là je les ai fait fouiller le vide. Puis là, là ils ne me comprennent pas. T'sais. Mais là, je leur dis allez, allez, continuez, continuez, continuez. Et là, à un moment donné, à l'intérieur de deux, trois jours, on, on fait deux, deux, trois découvertes. Et là, j'ai pu leur, leur annoncer qu'ils avaient tout fait ça pour produire. Une connaissance que moi je soupçonnais, à laquelle je rêvais, et que là j'avais les preuves. Donc j'étais le premier, parce que le site avait été fouillé par Max Houlé au début du 20e siècle, en 1901. Puis lui, il avait dit qu'il y avait une vraie ville. Tu sais. Mais moi, c'était ce tissu urbain qui m'intéressait. Donc là, on avait trouvé un autre mur, puis tout en dégageant le mur de l'année précédente, l'autre mur, bien sûr, était parallèle, il était à deux mètres de distance. Et puis lui aussi, il était très bien fait, puis je voyais que c'était un mur de fondation. Et sur ce mur-là qu'on suivait, puis toujours dans le vide d'entre les deux murs, là, on a trouvé un beau seuil en pierre. Puis quand on utilise la pierre, c'est parce qu'on veut que ce soit solide longtemps, parce qu'habituellement, ils prennent de la boue séchée, il y a très peu de, de pierre de, de disponible. Donc là, je trouve une porte avec un seuil en pierre, et puis un vestibule, et puis on n'est pas loin, de, à quelques mètres, d'un premier coin, et puis, on avance un peu la fouille, puis on trouve une deuxième rue. Donc, moi, mon hypothèse, c'est qu'on était en train de fouiller une rue. Fait que là, on, a, on a confirmé en ayant cette rue-là sur à peu près une quarantaine de mètres de long, avec un portail euh, au centre d'une maison de l'autre côté de celle qu'on avait fouillée l'année précédente, un coin avec une autre rue qui, qui partait dans, cette, euh, dans une autre direction. Et euh, elle se poursuivait, cette, euh, cette rue-là. Donc j'ai demandé à l'archéologue euh, en chef, euh, Santiago Seda, de nommer cette rue-là la rue Saint-Jean-Baptiste. <laughs> Parce qu'on était autour du 23-24 juin. Donc San Juan Bautista, euh, je ne sais pas s'ils utilisent ce terme-là, mais je sais qu'ils ont poursuivi mon œuvre, si on peut dire. Et ils ont trouvé d'autres rues et la rue principale est celle qui longeait la Waka de la Luna, et ils l'ont appelée l'avenue la, Mochica. Je n'ai pas trouvé ça très original, mais c'est leur problème, c'est leur site. Alors donc, dans cette euh, aventure euh, péruvienne, donc après deux ans, je m'étais fait euh, vraiment un nom, euh, le petit Canadien, ou le jeune Canadien, ou le fou Canadien, qui euh, mettait au jour, pour la première fois, une habitation complexe, donc on appelle ça un complexe résidentiel. Euh, le terme anglais qu'on qu n'est pas capable de traduire en français c'est compound ». Alors donc pour ces deux complexes-là qu'on a appelés et baptisé complexe 7 et complexe 9, euh, donc on a euh, euh, c'est un, un regroupement de plusieurs euh, habitations, mais à l'intérieur de mêmes murs. Donc par exemple le, le complexe 9 qui a été le le fouiller le plus exhaustivement. Donc, il avait quatre entrées distinctes, mais à un moment donné, tout a été interconnecté. Donc, on pouvait rentrer par un secteur, puis on avait accès aux autres, euh, aux autres secteurs. Et en complétant les fouilles, un de ces secteurs-là était un lieu de production. Donc, chaque euh, complexe résidentiel pouvait avoir un lieu de production. Par exemple, dans le 9, c'était euh, production de bière. Parce qu'on trouvait les grandes euh, jarres euh, avec euh, tout plein de, de cuillères euh, qu'on pouvait utiliser pour euh, prendre un peu de, de la bière, on appelle ça de la chicha. Et il y avait une place euh, des ancêtres, donc une sorte de plateforme funéraire, qui malheureusement était détruite. Mais on a fini de fouiller le, la, la partie euh, non pillée, et, euh, donc on a pu confirmer que c'était. Les, 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 les personnes les plus importantes de la maisonnée qui avaient été enterrées à, à cet endroit-là. Et on a aussi dans le complexe 7, ça aussi, ça a fait du, du chemin, euh, on a trouvé une cheminée. En fait, c'était pas une cheminée, c'était un four pour euh, euh, fondre le, le cuivre et, et l'or. Donc, c'était la première et elle ressemblait à des dessins faits par... Euh, euh, des, euh, des Incas ou des Chimou euh, aux, aux conquistadors euh, espagnols. Donc, euh, ce savoir-là existait avec les Mochés et ce type euh, de cheminée ou de four avec une cheminée en adobé s'est euh, continué jusqu'à l'arrivée la, à des, des Européens, là, des, des Espagnols. Donc, euh, ça m'a permis d'investir davantage de la métallurgie. Euh, euh, chez les mochés, plus le tissu urbain les rites funéraires parce qu'on a même si je voulais pas de tombe on est tombé sur un certain nombre euh, de tombes et euh, peut-être que j'étais prédestiné aussi à donner plus d'importance aux femmes euh, parce que les deux tombes les plus importantes qu'on qu a mis au jour c'est des femmes avec des attributs d'hommes alors, donc, c'était des femmes euh, qui avaient une certaine euh, importance. Alors, euh, donc, ce fut des années, euh, euh, je dirais encore une fois, glorieuses parce que j'étais dans mon élément. Euh, j'ai pris les, les bouchées doubles et puis, euh, donc, j'ai fait tout de suite une première publication en créant les cahiers d'anthropologie au département donc, une publication euh, maison. Que, euh, ça n'a pas été un best-seller, mais je vendais ça pas cher à mes étudiants et j'en apportais au Pérou. Donc certains Péruviens se sont mis à la, à la lecture du, du français. Mais c'était encore une fois cette idée de, de publier. Mais à partir de ce moment-là, -là, j'ai été invité euh, dans toutes sortes de colloques, euh, que ce soit à la National Gallery of Art à Washington, à, à la Dumbarton Oaks, euh, à, au Texas, euh, en France. Euh, euh, donc, dans tous les, les, les congrès, euh, on m'invitait et des fois j'ai organisé aussi des, euh, des séances, dont une euh, en 2006 à Puerto Rico avec euh, une méso-américaniste, Linda Manzanilla, qui avait étudié à Paris, donc elle parlait quand même assez bien français. Et puis, elle, elle avait suivi mon, mon parcours parce que. Quand tu es un spécialiste des sociétés complexes, puis tu vas dans une, une réunion de, de savantes, comme la Society for American Archaeology, bien, tu te concentres sur les séances de ta région. Donc, elle était bien fournie avec la Méso Amérique, mais elle était curieuse de savoir euh, qu ce qu'il y avait à dire, ceux qui travaillaient en Amérique du Sud, donc les gens qui travaillaient sur les Moche, les Incas, les Chimou, les Wari, Tiwanaku et tout ça. Alors, donc, elle venait, euh, puis une fois, elle était venue me, me saluer, puis elle m'avait dit très, très intéressant ce que vous faites, euh, parce que moi, j'essayais de voir l'importance de l'urbanisme. Euh, dans la hiérarchie, le type d'élite, est-ce qu'on contrôle la production, est-ce que c'est des ouvriers spécialistes, des artisans spécialistes. Donc, on peut toucher à un certain nombre de, de domaines et ça finit par être les mêmes domaines qu'une euh, société complexe le long de l'Indus, en Mésopotamie, donc euh, la complexification sociale, le développement de l'inégalité sociale passe par différents stades, mais qui finissent par euh, se ressembler ou se comparer. Donc, c'est là qu'avec Linda, on a développé un, un projet de, de session à la Society for American Archaeology. Ça s'est déroulé en 2006 à San Juan, Puerto Rico. Et donc, on a publié ensemble. Moi, j'étais l'éditeur pour la section d'Amérique du Sud. Elle était l'éditrice pour la section euh, Mésomérique. Donc, on a publié euh, un ouvrage sur la vie domestique, toujours le domaine qui, moi, m'intéressait le plus. Donc, la vie domestique. Euh, dans et autour des, des capitales euh, de Méso-Amérique et d'Amérique euh, du Sud et ça a été publié euh, à l'université du Michigan qui est quand même euh, une université qui est, a été et qui est toujours euh, un leader dans, en archéologie euh, à l'échelle mondiale donc ça a été euh, des années très, euh, très fructueuses où j'ai pu euh, euh, améliorer mon espagnol. Donc, euh, je, peux, euh, je peux dire que je suis trilingue aujourd'hui, même si je parle moins espagnol euh, euh, aujourd'hui. Euh, ces années-là, euh, ça me permettait de, 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 de discuter en, en espagnol avec mes collègues euh, péruviens, équatoriens, argentins et mexicains, et euh, de publier aussi en espagnol. J'écrivais en espagnol, mais à un moment donné, c'était trop laborieux pour eux de refaire un, un bon espagnol avec euh, mon pauvre espagnol, parce que j'écrivais un espagnol parlé. Là. Ça n'a rien à voir avec euh, la beauté de, de l'espagnol euh, littéraire. Alors, donc là, j'ai développé des, des, des liens avec des traducteurs et traductrices qui fait que les... La majorité de, des textes que j'ai publiés en espagnol ont été revus euh, ou traduits euh, du français ou de l'anglais, dépendamment de. Et bien sûr, j'ai publié en anglais parce que la force étant du côté anglophone et que beaucoup d'archéologues américains qui travaillent en Amérique du Sud. Donc là, faut rester, euh, rester ouvert à cette possibilité. Et aussi le fait que, à partir de 1994 jusqu'à 2011, je dirais. Donc, en étant très actif au, au Pérou, euh, la majorité de mes étudiants euh, euh, travaillaient avec moi sur des sujets péruviens. Donc, je devais de développer un, un réseau pour leur permettre à eux euh, soit d'aller faire des maîtrises ou aller faire des doctorats dans d'autres dans universités que, que l'Université de Montréal. Donc, j'ai eu. Euh, j'ai pas le décompte précis, mais j'ai eu plus de 20 étudiants aux études graduées qui ont travaillé sur le, le Pérou ou sur les Moche, alors, euh, dont deux doctorats euh, qui ont abouti, là, et plusieurs de mes étudiants sont allés faire des doctorats à l'étranger, que ce soit en Angleterre, surtout aux États-Unis, et qui ont des, des emplois de professeurs euh, aujourd'hui, soit dans les Cégeps, soit dans les universités, et qui ont eux aussi connu l'euphorie de, de, de travailler au Pérou. Et, euh, parce qu'il y a toujours une certaine gloire hein, qui est associée à ça. Mais euh, tout compte fait, euh, je suis revenu au Québec en 2002, mais j'ai continué au Pérou jusqu'en 2011. Et puis quand je suis revenu au Québec, euh, j'étais aussi satisfait, aussi content de, de ce que l'on fait au Québec que ce que j'ai fait. Euh, au Pérou. C'est juste que, au Pérou, il y a un certain glamour parce que tu es, es appelé à, à contribuer à des, euh, à des colloques, à des publications qui, euh, qui regroupent des spécialistes de, de partout dans le monde. Et j'ai aussi eu la chance de, de côtoyer Santiago Oceda, qui est malheureusement décédé à l'âge de 63 ans euh, euh, au début de l'année et qui avait un, aussi cet esprit d'entrepreneurship. Alors, il a organisé des gros colloques euh, internationaux euh, qui, ont, qui ont été euh, conclus par des, des publications là, quand même de prestige. Alors, euh, donc, c'est cet euh, aspect-là qui est finalement… Euh, euh, donc, de faire des fouilles, de faire des analyses sur place, parce qu'au Pérou, il faut tout analyser sur place, sur, on ne peut rien sortir du pays, et de faire des, des publications d'impliquer des étudiants euh, chez nous à, à, à voir autre, autre chose que, que le Québec, sans nécessairement négliger le, le Québec. Et c'est pour ça qu'en 2000, euh, autour de l'an 2000, j'ai créé un, un nouveau cours qui s'intitulait Préhistoire de l'Amérique du Sud, qui euh, consolidait encore davantage euh, sur le plan pédagogique, académique, euh, l'intérêt des étudiants. De, de s'intéresser à, à ce qui se passe euh, ailleurs. Donc, ce fut... Euh, mon parcours au Pérou a été une très belle euh, aventure, à la fois humaine et scientifique. Et euh, le bénéfice d'avoir encadré euh, des étudiants euh, en aussi grand nombre a été euh, très euh, euh, fructueux pour moi, là, pour ma personne comme professeur aussi. Là. Alors, on se retrouve autour de 1996-97. Je suis professeur au département. On pourrait dire que j'ai le vent dans les voiles parce que j'ai encore des intérêts au Québec, mais je travaille surtout au Pérou. Mais j'enseigne encore la préhistoire du Québec et je m'intéresse à ce que font mes étudiants parce que ce ne sont pas tous mes étudiants qui travaillent au Pérou. J'en ai toujours qui travaillent au Québec. Et euh, là encore, avec euh, Normand Clermont, on forme toujours une bonne équipe aux yeux de, de ceux qui ont des projets qui, qui n'ont pas abouti et qui veulent euh, des publications. Donc, nous, on est des gens qui analysons et écrivons euh, nos résultats pour les publier. Alors, c'est comme ça qu'on s'associe avec le Musée de la Civilisation à Gatineau, euh, qui. Euh, sont euh, dépositaires de deux fantastiques collections sur l'archaïque. Donc, on parle toujours de consolider la, la bibliothèque euh, pour euh, bien euh, définir euh, les grands jalons de la préhistoire du Québec en français. Donc, les deux sites, l'île Morrison et l'île aux Allumettes, sont en territoire québécois, mais ils ont été fouillés par un ontarien, Clyde Kennedy, dans les années 60. Et Clyde, qui était un gentil personnage, archéologue amateur, comme on les appelait à l'époque, avait fait d'excellentes fouilles et il avait dit toute sa vie qu'il allait publier ses, ses découvertes. Mais à la fin de, de sa vie, il avait accepté de léguer ses collections au musée de, de la civilisation pour éventuellement être analysé par d'autres archéologues. Alors, donc, un peu dans un élan de, de, de nationalisme, vu que les sites avaient été fouillés euh, sur, des te, sur le territoire québécois, Roger Marois, qui était alors directeur archéologue et directeur de la commission archéologique à Ottawa, euh, avait, euh, nous avait offert à Normand et moi de, 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 de publier, d'analyser de, et de publier, euh, dans un premier temps, les découvertes de l'île Morrison. Alors, on a fait, normalement et moi, une demande de subvention à un organisme euh, québécois, là, le FCAR, que ça s'appelait à l'époque, donc Fonds pour la culture et recherche. Et on a obtenu euh, la subvention et ça nous a permis de produire euh, euh, cet ouvrage qui euh, porte donc sur l'archaïque, donc un site, euh, l'île Morrison, euh, dans l'Outaouais, qui euh, date autour de 5000 ans euh, avant aujourd'hui. Et c'est de l'archaïque laurentien, donc une culture qui était quand même assez bien connue ailleurs. D'autres sites au Québec étaient connus, mais c'était comme un joyau. Euh, L'île Morrison est très riche en pierres taillées, en pierres polies, en outils sur os. Donc, on, on a pu faire un, un ouvrage de synthèse qui va être utile pour euh, des générations à venir, étant donné que c'était déjà considéré bien avant que nous on mette notre nez dans ce dossier-là, comme un des sites les plus importants de l'archaïque laurentien dans l'Outaouais et qui avait une pertinence pour le reste de ce que l'on appelle le Nord-Est. Quelques années plus tard, on, on, on a décidé de refaire l'aventure, mais avec un, le deuxième joyau de la région, donc l'île aux Allumettes. Euh, quelques kilomètres séparent à peine les deux sites qui sont sur deux îles. L'île Morrison est très petite, l'île aux Allumettes est très grande. Mais le site de l'île aux Allumettes est sur le bord de, de l'île qui fait face à l'île Morrison. Et les populations archaïques devaient arrêter soit sur l'une ou l'autre des îles parce qu'il y avait des rapides. Donc, quand on dit rapide, il faut partager. On saute pas les rapides lorsqu'on est avec sa famille. C'est bien, donc il faut être prudent. Le canot est un moyen de transport et pas un un outil pour faire un sport extrême comme sauter des rapides. Donc l'île aux allumettes a aussi euh, euh, permis de consolider nos connaissances sur euh, l'archaïque. Et euh, donc les deux sont euh, intimement liés. Euh, l'île aux allumettes était trois fois plus grosse en termes de matériel à, à gérer. Donc euh, ce fut un autre exercice. Et, euh, L'île Morrison a été publiée en 1998 et l'île aux allumettes en 2003. Donc, en fait, dans les, euh, les deux projets, euh, notre façon de fonctionner est toujours la même. C'est que dans les fonds que l'on demande, il y a toujours un pourcentage qui est dédié à la diffusion. Donc, nous, toute la diffusion, l'argent pour la diffusion, a été euh, injecté dans la publication euh, de ces ouvrages. Euh, euh, et l'île aux allumettes, on a eu le concours de euh, Jacques Saint-Mars, qui était l'archéologue responsable du Québec au Musée de la Civilisation. Donc, il, a, il nous a aidés de différentes façons. On a aussi euh, demandé des collaborations spéciales de Pierre Richard pour euh, faire la synthèse des, des, euh, des, des données paléo-environnementales et Bernard Loriol sur la géomorphologie de la région. Donc, encore une fois, une approche multidisciplinaire et aussi d'autres collègues qui ont dédié une partie de leurs efforts sur certaines catégories d'objets dans cet ouvrage-là. Donc, on était très heureux de collaborer, à mettre au profit ou à la disposition de la communauté archéologique deux joyaux de l'archéologie canadienne, donc les sites de l'île aux allumettes et de l'île Morrison, qui euh, enfin pouvaient être consultés euh, avec euh, un dossier d'illustration et des analyses là, qui euh, permettaient d'en savoir un peu plus sur l'archaïque laurentien. Donc l'archaïque est une période qui a été un peu négligée au Québec. Elle s'amorce peut-être il y a 9000 ans. Et elle se termine vers 3000 ans avant aujourd'hui, lorsque les populations amérindiennes vont adopter la poterie. Donc, à partir du moment où on trouve de la poterie sur un site, euh, les occupants de ce site font partie de ce qu'on appelle le sylvicole. Donc, le sylvicole est un peu l'équivalent de présence de, de céramique. Mais il faut faire attention parce que ça s'applique surtout à la partie sud du Québec, le Québec méridional. Parce qu'à l'Abbé James, par exemple, ils n'adopteront jamais la, la céramique. Donc, quand on trouve de la céramique à la Bé James, c'est des biens d'importation, des biens d'échange. Euh, les Cris, par exemple, ne produisaient pas ou très peu de, de poterie. Donc, on peut trouver un site, euh, deux sites contemporains, mettons, vieux de, de 1500 ans. Un dans le sud du Québec, c'est sûr qu'il va y avoir de la poterie. Alors qu'au nord du lac Saint-Jean, euh, autour du lac Mistassini ou à la Bé James. Sur un site du même âge, il n'y aura pas de poterie. Mais c'est quand même un site qui date du sylvicole. Donc, il y a le sylvicole avec poterie, puis il y a le sylvicole sans poterie. Donc, pour revenir à l'archaïque, c'est une période qui est très longue, qui s'étire sur plus de 6-7 000 ans, où on a plusieurs sites qui ont été mis à contribution, mais il n'y a pas vraiment d'archéologues au Québec qui se dit, euh, spécialiste de l'archaïque, que moi je veux travailler juste sur l'archaïque. On tombe sur un site archaïque, on le fouille. On n'a pas de site archaïque, on, on pleure, on rit, on, on, on chiale, peu importe. Euh, euh, on n'en fait pas de cas. Et lorsqu'on on trouve un site archaïque, très souvent, il est... Euh, Mélangés dans un sol très mince de 15-20 cm avec des occupations du sylvicole. Des fois, c'est très difficile de démêler ce qui est archaïque de sylvicole. Donc, les sites comme Allumette et Morrison Island, c'est des sites exceptionnels parce qu'ils étaient purs, entre guillemets c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contaminés par des occupations postérieures, à des occupations de sylvicole. Donc, c'était des sites qu'on appelle à composante unique, c'est-à-dire seulement de l'archaïque laurentien dans le cas de ces deux, euh, deux sites-là. Donc, euh, au fil des années, il s'est trouvé des sites archaïques. Certains ont été publiés sous forme d'articles, mais règle générale, la majorité des, des sites euh, de l'archaïque restaient un peu euh, euh, dans l'ignorance. Alors, avec mon collègue euh, Adrien Burke... Et le fait qu'on avait un groupe de recherche qui s'appelle l'Archéologie sociale, Archéologie, archéologie sciences, donc notre acronyme, c'est AS au carré. Alors, donc, on a décidé d'organiser une session euh, à, dans le cadre du colloque de l'Association des archéologues du Québec. Et on a invité tous ceux qui avaient de nouveaux sites archaïques. Alors, ça nous a permis, donc... De, de, de mettre entre deux couvertures euh, 11 nouveaux chapitres sur l'archaïque euh, au Québec, avec euh, des sites aussi vieux que 8 ou 9 000 ans dans la région de Mingan euh, un site vieux de 4200 ans sur les bords de l'ancienne mer de Tirel qui avait envahi les basses terres de la Jamésie, euh, d'autres sites euh, à saint romuald qui sont aussi très anciens, des sites de transition. Euh, à Sorel, les sites plus vieux qu'on pensait dans la région de Gatineau. Donc euh, un ouvrage un peu éclectique, donc il y a un petit peu de tout. C'est pas une synthèse sur l'archaïque, mais c'est 11 chapitres où on en apprend de façon euh, assez euh, concluante dans différentes régions du Québec. C'est pour ça que la page couverture c'est le Québec dans le sens que on a essayé de couvrir euh, l'ensemble du Québec euh, méridional et euh, la partie centrale euh, alors donc, c'est un ouvrage paru récemment, en 2017, euh, qui témoigne toujours de cette euh, volonté là, qui m'envahit me, euh, de, de toujours augmenter la, la bibliothèque euh, d'ouvrages sur la préhistoire du Québec et en français.